Yo bande de Roger, ici le Matt, et on se retrouve sur The Crew. Oui, The Crew, The Crew, The Crew. Bon, j'en ai pas trop parlé sur la chaîne, mais c'est vraiment un jeu que j'attendais depuis leur fameuse cinématique. Assez impressionnante au niveau des graphismes, hein. Donc pas comme le jeu, quoi. Non, je vais pas commencer à chier sur le jeu directement, sinon ça va pas le faire. Donc... La vidéo va globalement être composée d'impressions et de détente. Donc ça va être cool, une petite vidéo, j'aimerais bien faire une 30-40 minutes, on va voir ce que le temps nous permet. Et en principe ça devrait quand même le faire. Hein. Donc là on a la Camaro SS de 1969, une de mes voitures préférées IRL, hein, même si j'ai pas vraiment l'occasion d'en voir souvent. Et bon bah je vais vous montrer un peu les voitures que j'ai achetées durant mon petit périple et du coup les impressions qui vont avec. Je joue en hardcore si je me souviens bien. Enfin j'ai fait tout le jeu en hardcore, je sais pas si j'ai changé mais. Oula. Oui, c'est toujours en hardcore. J'aurai en manuel plus tard, dès que je passerai le niveau 50 on va dire, mais je sais pas si je l'aurais fait d'ici là. J'ai acheté un petit peu de bagnole. Sachant que le jeu est sorti mardi dernier, donc ça fait, je sais pas quand je vous sortirai la vidéo, mais nous il est lundi, je sais plus quel lundi on est. Donc j'ai acheté pas mal de bagnoles quand même, en tout, je sais pas combien j'en ai. D'ailleurs faudrait que je finisse de tout débloquer. Et on va aller faire un petit tour au QG, donc qui est les bases de chacun des trucs. Enfin vous avez déjà dû voir plein de vidéos, mais je vais quand même réexpliquer après sur la carte. Alors, donc ça c'est les trucs... Je vais pas acheter chaque spec de chaque voiture hein, pour l'instant, parce que je fais un peu d'économie. J'ai combien de points? 5, voilà. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est pour faire des économies sur les pièces raides. Et je crois que je vais garder ça, mon point qui reste. Bon, je m'en bats les couilles du point qui reste. Du coup, bah, je vais vous montrer les voitures que j'ai, en même temps je vais débloquer les trucs qui me manquent. Alors... Donc, en premier lieu, j'ai commencé avec une Nissan, parce que c'est la voiture que j'aime le moins dans toutes celles qui étaient proposées, à savoir la Nissan, donc cette Nissan, la Chevrolet Camaro SS, qui était ma préférée, la Dodge Challenger, que j'aimais aussi, et ensuite, je pense que c'est la Mustang, d'ailleurs, qu'on va peut-être acheter, voilà, parce qu'il n'y a aucun respect, et qu'il me manquait, je voulais avoir les 4 voitures du début. Voilà, hein, c'est pas compliqué, quand vous avez un peu de sous... Vous claquez du fric et vous avez votre Mustang en full stock. Full stock qui est la spécificité d'une voiture qui n'a aucun intérêt. À part pour la RUF là, qu'on peut voir ici, je vous montrerai plus tard. Donc les voitures cachées, on a fait une petite vidéo qui n'était pas très utile mais qui peut être sympathique. Sur comment les débloquer. Ensuite, donc on a 5 specs par voiture. Plus la full stock, qui sont Street, Dirt, Perferrade et Circuit, que vous allez débloquer au fur et à mesure du jeu, pour chaque niveau. Donc Dirt niveau 10, Perf niveau 20, Red 30 et Circuit 40, ça voilà. D'ailleurs, il y avait une Perf que j'aimerais bien acheter, enfin il y a quelques trucs qu'il faudrait que j'achète, à savoir... Allez, je vais acheter la Perf de... Je vais acheter la perf de la Mustang. Donc voilà, là c'est la full stock. Et tac, je dépense 10 000 dollars. Et montage de la bagnole. Attendez, j'ai enlevé le chat. Voilà. Surtout que ça on y reviendra tout à l'heure, le mode en ligne. Et voilà, là on a une bagnole assez stylée. Qui est pas très haut level, mais c'est normal. Voilà, bon là c'était un peu la présentation aux voitures. On va la prendre. On va la laisser comme ça, ça ira très bien. Voilà. Et voilà. Alors, je suis niveau 47, quasi 48. D'ailleurs, on va se faire une petite mission. Elle est sympa. Elle est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les niveaux? Oui, je pensais que les niveaux allaient se monter beaucoup plus lentement. Et en fait, c'est super rapide. Je dois avoir 30 heures de jeu. Bon, ça fait qu'une semaine qu'il est sorti. Ouais, je dois avoir 30 heures de jeu et je suis déjà niveau 47. Je trouve ça un peu dommage dans le sens où... je sais pas. Alors, je sais pas s'il y a un niveau max. Je me suis pas renseigné. Par contre, si le niveau max est 50, par contre, c'est la loose.
Mais c'est vachement rapide quoi. Je sais pas. Vous faites quasi une mission de la quête principale, vous gagnez un niveau, c'est pas très rigolo quoi. Sinon, ouais voilà, c'est un peu spécial. Je sais pas comment va évoluer le jeu parce qu'il est, il va vers l'évolution hein, en principe ce jeu. Il va pas rester comme ça. Déjà j'aimerais bien que le mode en ligne marche parce que pour moi ça ne marche pas. Il y a plein de joueurs avec qui ça marche, hein, mais il y a aussi plein de joueurs avec qui ça marche pas, donc voilà, c'est un peu la dèche. Elle a une bonne conduite cette voiture, j'aime bien. Voilà, bon, je vais pas tout vous présenter le jeu, hein, ça c'est les petits points, ça vous gagne 2000$, donc si vous êtes en manque d'argent, non, on commence pas. Très bien, je mets un petit coup de souris. Hein. Oui, parce que je joue à la manette, la 360. Bon. Alors, on va arrêter de divaguer. Je vais faire une petite coupure histoire de bien certifier l'enregistrement, parce que des fois il y a des décalages son qui se font, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je propose de faire une mission de chaque type, donc à savoir une mission street de départ. Donc sûrement dans D3. Bon, j'ai pas encore tout complété en or, je le fais à mes heures perdues. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais juste faire une course qui m'avait bien plu. J'en sais rien du tout. J'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Voilà, bon, guerre de territoire, pourquoi pas. Bon, je prends ma Nissan. Elle est pas super spec, elle a que 535. Hein. Et ensuite, on fera un peu de mission perf, des missions qui m'ont un peu marqué, dont ça je me souviens. Pour ça, j'en sais rien, je sais même plus ce que c'est. Ah bah c'est une course. Je crois que, ouais, de souvenir, on doit faire deux tours. Et il y a un morceau sur l'autoroute et la voiture de devant est complètement cheatée, si je me souviens. Parce que ça, elle a une accélération de ouf, alors que elle a beaucoup moins de spec. Voilà. Alors on va pas faire trop les cons, allez, parce que... Ouais, j'ai compris. Lâche pas le rythme. Oui, cette phrase m'avait choqué quand j'avais joué la première fois. Lâche pas le rythme. Donc ça, c'est une des missions qui était dans la bêta, il me semble, qui était dispo dans la bêta. Oui, merde. Oui, bah si j'utilise pas le boost en même temps. Alors, on va faire gaffe. Oh mais non, trou du cul. Oh non. Ok, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, voilà, très bien. Hein. Je veux bien être gentil 2 minutes, voilà, t'abuses. Tu les déposes, t'as dit. Oula, c'était chaud. Alors la Nissan, elle est assez nerveuse. Elle a une bonne conduite. Par contre, au début, c'est un peu une savonnette quand même. Elle est assez légère comparée au... Oula, merde, mauvais virage. Comparé aux autres voitures du début, comme la Dodge, surtout la Camaro qui est lourde, et la Mustang. Quoique la Mustang, ça va, elle a une bonne accélération quand même. Mais en tout cas, ça se corrige en ramassant des pièces de bagnole, enfin des pièces de, ouais, d'équipement sur les défis. Ou bien d'ailleurs, on va en faire un petit peu tout à l'heure pour monter une des autres rods que j'aime tout particulièrement. Oula, ça c'était un peu le schnaps comme dirait l'autre. Le schnaps. Ça va courir un peu. Alors, vu capot. Vu que j'utilise carrément pratiquement jamais. Enfin, de temps en temps. Mais je pense que celle que j'utilise le moins, ça reste quand même... quand même le... La vue par choc. Truc, je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Mais des fois, la plupart du temps, on voit les traces de pneus devant la voiture. Ce qui est très très moche. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Vue intérieure qui est vachement plaisante. Oula, le bus, le banque bus magique. Ah, non. Oula, attendez, on va se reprendre, parce que quand on parle et qu'on conduit en même temps, il y a des accidents. Oui. Ah, depuis tout à l'heure, j'essaie de guidonner pour pas qu'elle dérape. Non, mais non, taxi driver. Mais non, mais il revient. Oui, bon, bah tant pis, cette course est ratée. Ouais, en fait, des fois, j'ai le sentiment que je passe avec la Xbox, la Hitbox. Mais non, tu passes pas. Tac, 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 tac. Ah oui, mais j'utilise jamais le boost aussi.
Ouais, parce que j'ai joué pas mal en full stock dernièrement pour changer un petit peu. Et du coup, bah, j'ai plus l'habitude d'utiliser le boost. Sinon, alors, au niveau des impressions, la conduite que j'ai le plus aimé, enfin, la plus étonnante ou la plus satisfaisante, ça reste quand même le raid. Qui est quand même vachement cool à conduire, quoi. C'est vraiment une tuerie, quoi. Déjà, enfin, vous pouvez faire ça avec des potes quand ça fonctionne. Vous montez au haut d'une montagne, vous vous dites, allez, à 3 on part, et là vous dévalez la montagne, c'est excellent. D'ailleurs, on le fera tout à l'heure, je pense. On ira peut-être faire un tour aussi dans les dunes. Faudra voir. Putain, je conduis vraiment n'importe comment. Mais... Wouah ! Pas grave, on coupe. C'est un raccourci. Que dalle, c'est de la merde. Oui, alors n'essayez pas d'utiliser des voitures de route dans les dans l'herbe. Ça ne fonctionne pas. C'est nul à chier. On va perdre. Ah ouais, on va perdre là clairement. Ah merde, nul à chier. Bon, on était vraiment nul cette course. Ouais. Ouais, je suis lent. Allez, à plus. Je voulais pas la faire cette course, elle est nulle. Bon voilà. En même temps, quand on parle tout le temps, c'est pas facile. Alors, ensuite, on va faire une autre course que j'ai bien aimée. Je crois que c'est celle-là. Attends, voir. Attends. Celle-là était cool aussi. Dans le besoin. Ouais. On va utiliser... Ah, on va utiliser, vu que je l'ai débloqué il n'y a pas trop longtemps, la Hot Rod de Dirt. Vous pouvez voir, là, je fais passer. Donc ça, c'est mes voitures Dirt que j'ai décidé d'acheter. Bon, je pourrais toutes les acheter, hein, mais voilà. J'aime cette voiture. Allez, on va la faire. Hop. C'est parti. Ah, en plus, ça me fait gagner de niveau. Putain, ah oui, d'accord, en fait, d'accord. La voiture, je l'ai pas du tout améliorée. Elle est basique. C'est pas grave. Elle est cool quand même avec le buffle. Le bébé. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Voilà. Oula. Boah, le jeu, il a bugué. Mais non! Oh là. Ah non, mais alors ça... Attendez, je recommence parce que là, il y a irrespect. Attendez, je fais une petite pause. Voilà. Merde. Ouais, je fais des trucs. En fait, dès que les FPS passent en dessous de 30, je fais des petits backups histoire que le son soit pas trop décalé. Parce que je sais pas ce qui s'est passé, là. Allez, on va jouer safe. On va arrêter de jouer bourrin. C'est parti. Ma peau. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai oublié que les voitures de Dirt dérapaient beaucoup. Oui, ils sont mauvais. Ils sont complètement nuls à chier. Voilà. Donc là, on est aux alentours de Provincetown, vers Cape Cod, il me semble. Et franchement, c'est vraiment une zone en vrai qui est fait stylée. Enfin, quand je dis en vrai, c'est que j'ai eu la chance d'y aller. Et enfin, plusieurs zones des États-Unis où j'ai pu aller. Et franchement, c'est vraiment agréable, quoi. Parce que tu retrouves pas mal les paysages et surtout les ambiances, en fait. C'est un point important, quand même. Putain, elle a tellement le swag. Regardez le crâne à l'avant sur le capot. Oui, on va se mettre en vue intérieure, ça va être stylé. Oula, par contre, non. Pas le tracteur. Voilà, c'est nous le tracteur. Ou par contre, ouais, vive la visibilité de merde. Je fais n'importe quoi. Bon, vous savez quoi, je vais partir du principe qu'on se bat les couilles de la course. Accélère. Mais je fais ce que je veux, bordel. Voilà, oula. Joli style. De rien. Alors ça, c'est un petit point intéressant, enfin, slash marrant que j'ai pu observer. C'est quand vous faites les courses et que vous passez deuxième ou premier, il est en train de t'insulter limite, puis de l'autre côté, ouais, bravo et tout. À un moment, c'était, je sais plus dans laquelle course c'était, l'autre il disait, oh franchement, t'es nul à chier. Hein. Puis juste après, oh mais t'es vraiment trop doué. Et l'autre il disait, ouais, je sais. Ça c'est un petit peu mal fait, enfin pas mal fait, mais on voit que c'est scripté. C'est mathématique quoi, il n'y a aucune. Aucune interprétation de la performance. Alors passer un petit peu en vue comme ça. Aïe. Hein? Mais t'es un malade. Et pourquoi je vais là moi? Oula, le jeu qui baisse. Bon, s'il y a un déglaçon, c'est normal. Bah moi aussi je sais hein. T'avais qu'à m'acheter une bonne voiture hein.
Alors ça, j'ai cru que c'était un bug au début, les espèces de trucs d'eau, mais en fait c'est juste les vagues, mais j'ai trouvé ça juste dégueulasse comme effet. Ah, c'est moi qui ai gagné. Le salaud, il lui vole la place. Bon. Alors. Putain, le vent derrière, c'est un peu abusé. Bah, j'ai gagné une médaille avec mon run pourri, là. Non, mais c'est pas possible. Retour en freeride. Très bien. Bon, on va faire encore une petite pause, parce que j'ai peur que le son soit encore décalé. Voilà. Ok, alors. Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Blablabla. Je vais essayer de vous montrer un maximum de voitures. Ah, j'aime cette course. Ça, c'est une des courses que j'ai bien aimé aussi. On va prendre l'Alfa Romeo Competition. Une voiture que j'ai bien montée. Qui est assez sympa à conduire. Qui est pas super rapide, mais... Me déçois pas. Ah oui, c'est vrai, lui, c'est un gros psychopathe, j'avais oublié. Et donc, en fait, c'est stylé parce qu'on est dans le Keys. Zone assez ouais, emblématique de... Enfin, c'est un, quand même une des routes assez emblématiques de... Ouais, on va prendre un raccourci. Attendez, on recommence. Oui, c'est un endroit assez emblématique de, du sud des États-Unis quand même. Enfin, c'est des routes assez impressionnantes. Et là, elles ont été faites dans le style où il y en a une qui est pas finie. Du coup, ils ont mis des sauts et c'est assez stylé. Bon, normalement, on est censé passer par-dessus tout le temps avec les sauts. Mais je sais pas. Ouais, allez, si, on va faire des sauts. C'est quand même assez stylé. Là, on va le voir passer. Voilà. En fait, moi, la première fois, j'avais fait comme ça, et puis après, pour avoir l'or, je me suis pas embêté, j'ai sauté sur l'autre voie, et je l'ai suivi. Voilà. J'ai cassé la trame scénaristique, mais j'en ai bas les couilles. Voilà, donc ça, c'est une perf, c'est une spec perf. Oula, gros bug, par contre, on voit les phares de dessous, c'est assez dégueulasse. Avec le coucher de soleil et tout. C'est assez classe. Coucou les mouettes. Non! Marche arrière, marche avant! Personne n'a rien vu! Oh, c'est chaud! Ok, je suis passé, je suis passé. Hop, dérapage et tout. So sway! Allez! On va le rattraper. On va essayer de pas se prendre de voiture parce que j'ai raté la mission pour moins que ça. Je vais le placer sous protection. Comme t'as fait pour la V2 de Saint-Louis. Elle était idiote, soyez pas spoil, hein. Enfin, je veux dire. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a sûrement du spoil ou des trucs comme ça. Mais de toute façon, la trame scénaristique est pas forcément énorme. On est censé le suivre, mais on va quand même essayer de le dépasser. Je suis nul à chier. De toute façon, la mission est finie, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil. Faut juste aller jusqu'au bout et c'est fini. Voilà. Bien. D'accord, j'ai eu la médaille. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir les... Non mais non, je m'en fous. Casse-toi. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir une médaille. Parce que c'était quand même pas mal de la merde. Donc voilà, on a fait une des missions de Miami. On va enchaîner sur... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mission sympa des rocheuses? Bah on pourrait faire celle de la quête principale que j'ai pas faite, d'accord. Ça c'est quoi? Fille de l'air, non... Ah oui, ça c'est... Oui, d'accord. Je crois qu'on va faire un peu de raid. Qu'en pensez-vous, les enfants? La théorie en pratique. Ça, ça m'a l'air pas mal. Jeter un coup d'œil. Alors, après cette course, on fera un peu de personnalisation. On ira peut-être acheter... Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme perso? Je pense qu'on va personnaliser la hot rod de type. Oh non, elle est nulle à chier cette mission. Bon, on va la faire quand même, mais il me fait bien chier. Bon, il faut casser les caisses pour faire perdre de l'argent à je sais pas qui ou je sais pas quoi, mais il risque d'y avoir pas mal de décalage son là, je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi. Moi, j'avais pas aimé cette course parce que. On peut pas profiter pleinement du type raid qui est de vraiment être avoir pas de... D'ailleurs je crois que je vais l'arrêter parce que je me pose pas de questions. On peut pas profiter pleinement du type raid parce que on est contraint par le fait qu'on doit suivre une voie. Et c'est plutôt pénible quoi.
Alors que normalement, est-ce que c'est cette course? Normalement, avec cette course, on est un peu plus libre. Vous avez vu, toujours pas de personne aux alentours. Hein. Le en ligne chez moi, il marche pas. Hein. C'est violent. Bon, on a 200 de Tu niveau dois en garder plus, un c'est rythme pas grave. soutenu pour réussir cette livraison, Alex. Ne te plante pas. Ah. Bon, bah, c'est pas grave. Ça, c'est cool. On va se mettre en vue capot. J'aime pas cette... Enfin, j'aime bien cette zone, le Grand Canyon, mais... elle est toujours dans les mauvais temps et c'est un peu chiant, j'avoue. Mais sinon, c'est assez sympa. Mais j'aimerais bien l'avoir ensoleillé de temps en temps. Surtout qu'en vrai, il fait plutôt chaud ici, il est beau. Hein. Enfin, je dis pas que quand il fait pas beau, il fait pas chaud, mais... D'ailleurs, c'est même l'inverse, parce que quand il fait chaud, ça attire les cumulonimbus et bon, je vais arrêter là. Voilà, parce que là, ça commence à être chiant. Comment est la caisse? Elle se comporte. Je suis un cabri! Je monte à 200 sur une pente à plus de 80%. Bah les couilles. Voilà, avec l'intérieur vachement épuré, il n'y a même plus de compteur, non, on s'en fout, on a tout viré. Hein. L'important c'est que ce soit léger. Ils ont viré tout, le siège, le frein, ils ont tout viré. Les roues on les a gardées, on sait jamais. Voilà, mais c'est bien stylé, c'est franchement... C'est l'éclat de ce mode, c'est juste l'éclat. Alors bon, l'éclat dans les deux sens parce que vous allez souvent vous retourner quand vous faites de mauvaises manips. Je crois qu'avec le mode avec les... comment ça s'appelle? Le mode avec la conduite avec les Z là, peut-être que le raid doit être vraiment linéaire pour le coup. Et moi ce que j'aime bien c'est que justement il faut un peu lutter contre la voiture et que c'est pas forcément facile. C'est ça qui est cool. Je sais pas où je vais là. Oh putain. Oula, 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 oula. Oula. Ouah. Ok, on a failli partir en backflip. Alors passer un vue comme ça, je sais que vous avez mal à la tête. Les mecs, ils s'en foutent. C'est pas grave. Ouah, un avion. Le navion. Ok, j'arrête de faire le con. Sinon, tiens, oui, d'ailleurs, ah bah là il fait beau, vous voyez, c'est un peu nawak ça. Si vous avez des solutions pour régler les problèmes en ligne, si ça vous est arrivé et que vous avez trouvé pourquoi, j'ai essayé de faire tout ce qu'ils m'ont dit. Tu sais ce que c'est qu'une analyse par régression? J'en sais rien du tout. Voilà, t'es complètement con. J'y ai pensé parce que je suis futé, Alex. Voilà, elle est futée. Très, très futée. Et toi, t'es très très con. Oui, donc si vous savez comment peut-être régler les problèmes, moi je suis totalement ouvert parce que j'en ai vraiment râlé. Les pâquerettes, pour rester poli, râlez pas crête que de voir personne, quoi, c'est censé être un MMO et plein de gens se plaignent de la même façon. Mais bon, moi je suis plus indulgent parce que je sais que c'est pas toujours facile. En plus, le jeu est en développement depuis un moment, les trucs ont pu changer entre temps. Depuis 2007, hein, si jamais les gens, hein, quand même. Hein. Donc dites pas qu'il a été fait en un an ou des trucs comme ça parce qu'ils ont bossé sur celui-là. Enfin, comme sur plein d'autres d'ailleurs. Et donc. Oula, 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 où va-t-il? Mais que fait-il? J'ai la voix qui part en coup. Sans déconner, il y a marqué arriver. Donc ouais, si vous avez une solution pour régler ces problèmes en ligne, là, enfin je sais pas si c'est des problèmes en ligne, apparemment ça vient du VPN des serveurs Ubisoft, c'est ce que j'ai compris, mais bon, c'est un peu complexe. Donc voilà, je suis ouvert aux réponses. Non, pas maintenant! Où va-t-il? Et il passe l'arrivée en marche arrière, il n'a rien compris. Il est fou! Voilà, cette course, c'était bien cool, ça. Ah! Voilà, ça c'est ma classe qui fait n'importe quoi. Niveau 48. Voilà, médaille de mes couilles. Très bien! Retour en freeride. Alors, on a aussi des factions. Ok, je dépose la carte. A plus. On a aussi des factions. Attendez, je fais juste une pause. Donc je disais, on a aussi des factions, et donc des missions de factions, hein, par le même truc. Par exemple celle-là, qui est une mission de assez rapide, où on gagne quoi? On gagne 8 000 $, hein, voilà. Donc des missions assez rapides, ou, très longues, très très longues. Bon, celle-là, elle s'appelle la course la plus longue. Ah, je pense qu'on va vous les faire en vidéo quand Roger pourra jouer avec moi. Celle-là, moins de 10 minutes. Pourquoi pas?
Avant d'en faire une, parce que j'ai envie d'en faire une, on va monter la voiture de... Déjà, je vais le montrer. On va faire des modifs dessus. Donc, on va aller à Miami. Voilà. On va monter la voiture performance de Hot Rod. Voilà. Gros programme. Oui, voilà. Alors, hein, casse-toi. Faudrait que je finisse d'acheter toutes les voitures, mais j'économise de temps en temps. Très bien, la voilà. Alors, on va lui mettre... Est-ce que je peux lui mettre des petits stickers sympas? Bon, avant de mettre des stickers, on va faire... l'intérieur, j'ai déjà des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre de sympa à l'avant? Moi, je veux un truc stylé. Oh putain, ça c'est... Je trouve ça vachement stylé. Allez, je prends ça. Je sais pas pourquoi, mais... sachant que j'ai déjà les réductions, j'ai 30% de réduction sur tous les... j'aimais bien l'avant de base. Est-ce qu'il y a des autres choses? Ah, avec le coffre ouvert, c'est stylé aussi. Ah, je sais pas. Fais voir, attends, il est comment? Ah, j'aime bien comme ça aussi. Ah, je sais pas. En tout cas, j'adore le style de cette voiture, c'est assez violent. Non, bon, ça c'est un peu simple. Ouais, on va voir ce qu'il y a d'autre. Là-dedans, il n'y a rien. Bah oui, c'est normal, il n'y en a pas. Là aussi. Les jantes, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Et j'en ai déjà. Ah, j'aime bien les petits rétros comme ça. L'aileron. Oh, Ah non, triste, hein, je préfère les normaux. Voilà, il est beaucoup plus stylé celui-là. Alors celui-là, j'aime bien ce qu'il y a peau. Ah, ça c'est classe. Ouais, un peu trop nu quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, j'avoue que... Attendez, celui-là, il a quand même... Je sais pas, il est comment normalement? Attendez. C'est pas mal comme ça. Et comme ça, quoi. C'est pas mal aussi. Je sais pas, je suis mitigé. Là, ça fait un peu trop découvert. Et là, c'est un peu trop pour le coup. Ah, quoique. Allez, ça fait une voiture propre. Voilà, écologique. Alors, on va voir un peu dans les trucs à mettre. Ah, il y a vraiment des trucs sympas hein, quand même. Bon, ça coûte la blinde, ça. Hein. Je vais pas en prendre un, je vous les montre juste. Parce que ça coûte tellement cher. Oh, mais 22 000, je vais pas acheter un truc 22 000, quoi. Bon, ça j'en ai déjà. Alors, est-ce qu'après, il y a des... Ah, ça, c'est cool. J'aime bien la bande jaune, comme ça. Ah, il y a vraiment des... J'aime beaucoup les stickers, hein, Ils sont vraiment stylés. Celui-là, il est cool. J'ai envie de me prendre le... Celui-là, là. Allez, même si c'est dégueulasse, je m'en fous. C'est mon petit kiff. Alors, pare-choc arrière. On va voir du coup s'il n'y a pas quelque chose de pas mal. Parce que j'hésite un peu. Soit à prendre un comme ça, mais du coup, ça manque d'originalité. Ouais, ça manque d'originalité. Allez, on va tester cela, même si je sais pas forcément. En fait, ça fait bizarre le coffre comme ça, mais bon, je trouve ça original. Donc, on va y aller. On va y aller comme ça. Voilà, on aura bien passé du temps. Je sais pas combien de minutes on est. D'ailleurs, je vais jeter peut-être un petit coup d'œil.